Profond respect et soumission totale.
Cela veut dire tout simplement que nous ne sommes pas habitués à faire des lectures, des discours. Peut-être ce que nous allons dire ici. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Messieurs les généraux, officiers supérieurs, officiers subalternes, sous-officiers, caporaux et soldats, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, c'est pour nous un plaisir énorme de vous accueillir à ce lieu servant aujourd'hui des cadres d'accueil pour communier et partager ensemble notre allégresse à l'occasion de la cérémonie d'inauguration de l'hôpital militaire et du mess des officiers et sous-officiers du camp Tchatchi. De tout cœur, nous vous remercions. C'est seulement avec gratitude du fait de vouer à votre temps pour répondre massivement à l'invitation qui vous a été adressée. Nous réitérons notre soutien et souhaitons la bienvenue à cette cérémonie somptueuse. De prime abord, nous remercions. Nos remerciements plutôt s'adressent à l'éternel Dieu ayant le destin des humains entre les mains et a permis par l'entremise de son humble serviteur prédestiné pour gouverner ce pays, son Excellence Monsieur le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Qui sait? Pour changer à mieux ou encore remettre à neuf les infrastructures vieillissantes de l'hôpital et du mess des officiers et sous-officiers. Lors de la première visite éclair du président de la République effectuée au camp colonel Tchatchi en date du 4 février 2019, l'autorité suprême s'est imprégné des réalités misérables et dégradantes auxquelles les militaires de la garde républicaine étaient confrontés. Et face à celles-ci, c'était décidé de les améliorer illico presto, afin que ces derniers recouvrent la paix sociale longtemps cherchée à corps et à cri. Chose promise à l'attention de tous les militaires réunis à la grande parade, à la date susdite, chose réalisée aujourd'hui à la grande satisfaction de tous les militaires et leurs dépendants et de toute la population d'alentour immédiat du camp colonel Tchatchi. Notre rôle sera de faciliter la cohésion parmi les militaires et leurs dépendants. Notre rôle sera de traiter avec humanisme le personnel censé y travailler en vue d'un résultat escompté longtemps attendu. Certes, tout ceci ne sera possible qu'avec l'accompagnement et intervention magnanime de l'autorité suprême. Que Dieu garde et protège à perpétuité la République démocratique du Congo et son président. Vive les forces armées de la République démocratique du Congo et son commandant suprême. Vive la garde républicaine. Je vous remercie. Soki bo
messieurs, à vos titres et qualités respectifs. La cérémonie d'inauguration de l'hôpital de référence du camp colonel Tchatchi, réhabilité et modernisé sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, s'inscrit dans le cadre de la matérialisation de sa vision en ce qui concerne la santé des Congolais. En effet, lors de son allocution au Forum international sur la vaccination de la République démocratique du Congo le 21 octobre 2022 au Musée national, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a déclaré, je cite, conscient que la santé est un droit conscient que la santé est un droit fondamental des Congolais. J'en ai fait l'un des principaux piliers de mon action à la tête de l'État. Ma vision est que tout Congolais ait accès à tous les soins et services de santé de base dont il a besoin, sans encourir une ruine financière ou économique. C'est ainsi que, fort de cet engagement et sous son impulsion, le plan stratégique national pour la couverture santé universelle 2020-2030 qui vise à contribuer à la réduction de la pauvreté et à la relance du développement de la RDC menée par une population en bonne santé a été adopté et est actuellement mis en œuvre. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'hôpital que vous avez l'honneur d'inaugurer ces jours est de niveau tertiaire, disposant de 140 lits sur 4, répartis sur 4 services, dont la pédiatrie, la chirurgie, la médecine interne et la gynéco-obstétrique, avec un plateau technique performant, doté en équipements médicaux de pointe et de dernière génération. L'usage des bâtiments construits et des équipements y installés en vue d'assurer une pérennité des services offerts. Nous vous remercions de votre aimable attention. Monsieur le médecin directeur de l'hôpital, à prendre la parole. Avec l'expression de mes hommages les plus déférents, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, c'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de prendre la parole en ce moment pour remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême, d'avoir initié et rendu possible la mise en œuvre de ce projet jusqu'à son aboutissement. L'opinion se souviendra qu'un certain lundi 4 février 2019, il lui avait plu de venir rendre visite aux militaires de la garde républicaine cantonnés au camp colonel Tchatchi, que lui-même aime affectueusement appeler ses voisins. Visite au cours de laquelle il avait souhaité voir comment les militaires et leurs dépendants étaient pris en charge lorsqu'ils avaient des problèmes de santé. Arrivé au centre médical, le contraste entre l'exiguïté de ce dernier et l'importance de la population desservie l'avait révolté. Et sans attendre, le commandant suprême nous avait promis l'érection d'un nouvel hôpital répondant aux normes standards. C'est ainsi qu'en date du 20 février de la même année, soit 15 jours seulement après son passage, nous verrons débarquer des engins de génie civil estampillés Safrimex pour commencer les travaux de construction de cet hôpital que le commandant suprême a l'honneur d'inaugurer ce jour. Que vive Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police congolaise. Je vous remercie. Monsieur le ministre de la Santé et du Bien-être, pour son allocution. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma haute considération, Mesdames et Messieurs, chefs des agences du système des Nations Unies et de coopération bi- et multilatérale, Mesdames et Messieurs, distingués invités, tout protocole respecté.
C'est avec un plaisir que je viens en ce jour participer à la cérémonie d'inauguration par son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, de l'hôpital militaire du camp lieutenant-colonel Tchatchi. Cette cérémonie vient concrétiser la promesse de son Excellence Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, faite lors de son passage dans ce même hôpital, d'améliorer le social de nos forces armées. En effet, lors de sa première visite en février 2019, son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, avait trouvé l'hôpital militaire du lieutenant-colonel Tchatchi dans un état de délabrement avancé. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Président du Sénat, honorable Président de l'Assemblée nationale, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, mesdames et messieurs, l'hôpital militaire du camp lieutenant-colonel Tchatchi de niveau tertiaire a pour but d'améliorer la prise en charge médicale et le bien-être de nos militaires et leurs familles en premier lieu, mais aussi de la population civile environnante. Avec la mise en œuvre de la couverture santé universelle, les soins offerts par cet hôpital seront accessibles à toutes les couches de la population. Ainsi, cet hôpital fait partie intégrante de notre système de santé en tant qu'établissement public et hôpital de référence nationale. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la construction de l'hôpital militaire du camp lieutenant-colonel Tchatchi est le résultat de la matérialisation de la première phase de l'amélioration de l'offre de soins pour nos vaillants soldats et leurs familles. Aussi, comme preuve de soutien à cette première phase de l'amélioration de l'offre de soins pour nos troupes, Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État, a déjà disponibilisé des prothèses de dernière génération qui seront posées gratuitement et systématiquement à nos troupes blessées de guerre. En plus de la disponibilisation de ces prothèses dernière génération, le Président de la République a décidé de capaciter nos prestataires en les envoyant en formation sur la pose de ces prothèses. Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Président du Sénat, honorable Président de l'Assemblée nationale, Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, mesdames et messieurs, je profite ici de cette occasion pour adresser mes sincères remerciements à Son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État, d'honorer nos troupes par sa présence à cette cérémonie d'inauguration. Excellence Monsieur le Président de la République, permettez-moi de vous témoigner toute ma gratitude pour cette importante contribution à l'amélioration du social de nos vaillantes forces armées, de leurs familles et de la population environnante. Que vive le social de l'armée, que vive le Président de la République, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Très respectueusement, nous invitons Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État.
s'il vous plaît. Faites-moi la place. Faites-moi la place. Oui, pour la prise en charge des patients avec insuffisance rénale. Oui, oui. Ici, c'est un étudiant pour la prise. Ma bonne Sonny. Ma bonne Sonny. Je ne sais pas, je ne sais pas.